Si vous aimez les serveurs factions, il y a un serveur modé qui s'appelle Royal Fight, qui ouvre samedi 28. Donc je serai connecté dessus les gars, je ferai un live. Le launcher est en description. C'est vraiment que si vous aimez le faction, ou même pour reprendre ou retester. J'ai testé en live, vous avez bien kiffé. Donc ils m'ont payé 45€ afin que je fasse cette annonce et ce live. L'argent sera simplement pour financer un projet qu'on attend depuis longtemps, même si je pense, vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc je préfère être transparent avec vous les gars. Comme ça vous savez le pourquoi du comment en fait. Au moins je peux pas vous mentir. Bref, sur ce, bonne vidéo les gars. Et yo, petit Snap CGX. Donc aujourd'hui on va unbox cette petite souris stylo. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment bizarre et assez intéressant pour tous les GFX. Puis même pour ceux qui veulent tester des trucs what the fuck, bah voilà. On a une petite souris en forme de stylo. Enfin voilà, vous avez vu un petit peu le concept. Voilà, je l'ai vu sur AliExpress. Je me suis dit, ouais, elle est pas chère, je vais l'acheter. Puis on va voir ce que ça donne les mecs. Comme ça, si vous voulez acheter des trucs sur des sites, bah vous êtes pas sûr d'être fiable. Et bah vous avez un petit avis quand même de ma part. En plus, j'ai vraiment l'habitude d'ouvrir des produits pas très chers et dont on n'est pas sûr de la fiabilité tout simplement. Merci aux 50 000 abonnés les gars, ça fait super plaisir. Je compte faire une vidéo pour ça. C'est vraiment énorme les gars. J'en parlerai plus tard. J'ai même pas vu les abonnés monter tout simplement. Bref, voilà le packaging. Il est assez simple en même temps. C'est une souris que j'ai eu pas très chère non plus. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse les gars. Ok, alors on a ça. Donc la souris en forme de stylo. On a un petit support et la connectique en USB tout simplement. Donc c'est sans fil, comme ça, ça nous prend pas la tête. Alors voyons ça. J'ai bien envie de le tester franchement. Ok, du coup on va le brancher les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça peut que m'aider et me motiver. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je compte vraiment unbox ce genre de produit plus souvent en vidéo. Donc c'est pas déjà fait, vous abonnez les gars, ça prend 2 secondes. Et au fait les gars, j'ai cassé mes écouteurs. Normalement il y a 2 oreillettes normalement, mais j'en ai cassé une. Donc voilà, petite info, petite anecdote en fait. Elle était bloquée dans mon vieux siège qui écoutez bien. En fait ça c'est le dessous, c'est le dessous de mon siège. En dessous de mon siège en fait il y a du bois, ça a tellement creusé dans la mousse, je sais pas quoi, il y a du bois tellement tiré sur les écouteurs que ça l'a cassé. Bref, je vais brancher ça les gars. Ok, donc je l'ai branché. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a un petit on off ici là en noir. D'accord, je me comprends mieux, parce qu'il faut des piles bien évidemment. Bien vu. Alors du coup j'ai juste à brancher la souris, j'ai pris une bonne pile qui fonctionnait cette fois-ci. Voilà, donc voilà, ça fonctionne. Et je vais galérer. Je sais pas si où est le curseur sur l'écran de gauche là. Ouais, non, franchement. Eh, Max Cube, dédicace, hein, franchement, si tu vois ça. Ça va être énorme, les mecs. Hop. C'est énorme. Attends, faut pas avoir des doigts, faut avoir du bois mort vraiment pour cliquer avec ça. On va lancer Minecraft, puis on va jouer tout simplement. En vrai, j'ai cru que ça fonctionnait pas et tout, mais non, en fait, ça va super. Eh, là, elle est pas du tout. Enfin, elle est fluide, mais c'est juste que comme ça me fait trembler, c'est un truc de ouf. Du coup les gars, on se retrouve en cam sur Funcraft pour aller tester ça tout simplement. Alors en fait il faut des bonnes piles qui fonctionnent bien, enfin à ce que j'ai compris, parce que genre sinon ça fonctionne pas, etc, etc, c'est un peu chiant. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va faire en jeu, vraiment. Franchement les mecs hein. Bon du coup on se retrouve en cam les gars. Du coup les gars, il y a un bouton ici qui sert à taper et un bouton ici qui sert au clic droit. Vous avez vu, hop, il y a aussi la molette ici, donc c'est vraiment pratique en fait. Ils ont disposé ça de façon à ce que ça soit plus pratique possible. Je trouve ça vraiment stylé. Et va tout simplement tester de faire quelques kills et quelques actions avec cet item tout simplement. Alors je trouve ça vraiment assez cool les gars. Ah, on tire tout le temps notre souris, ça c'est cool comme ça. Non franchement, là c'est cool pour l'instant. Ok, donc du coup, let's go, on va lancer un petit 4v4. Faut vraiment avoir une aim de bâtard par contre avec ça. Ok, du coup les gars, on va commencer la game. Donc je peux changer avec la molette, ça c'est assez cool. Par contre le jitter les gars, oubliez hein. Franchement le jitter avec ça pour l'instant. Ok, on va se concentrer un petit peu. Mais pour le graphisme en fait, je pense que c'est assez cool. Ah merde. Et franchement j'ai failli les avoir, j'étais ultra concentré et tout. Nice, nice. Bon ça va, en vrai je galère un petit peu, mais je pense que ça peut aller. En vrai c'est assez galère, mais pour le GFX je pense que c'est vraiment cool. Après pour le montage je pense un peu moins, mais bon. Alors par contre ça, j'ai failli faire un truc de malade. Hein. Alors ça. Franchement je suis assez choqué de la qualité du produit, en sachant que je l'ai pris sur AliExpress. Alors ça. Alors là. Ok, bon bah ok, hein, franchement. Non mais franchement, clean les gars. C'est très clean, je trouve. Voilà. Eh.
Alors ça si c'est pas du travail franchement. Allez les mecs, likez s'il vous plaît, c'est très important. Bref, moi je vous laisse, c'était super sympa de faire cette petite vidéo. Je vous recommande beaucoup ce petit stylo. Si vraiment vous êtes plus bureautique, parce qu'en jeu en fait c'est un peu nul quoi en jeu. Mais sinon en bureautique c'est vraiment cool. Donc bah si vous avez 5-7 euros bah franchement n'hésitez vraiment pas à aller checker. Bref sur ce moi je vous laisse, c'était GX. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.